Avez-vous remarqué, jeudi passé à Montréal, pas moyen de trouver une seule prostituée? Mes enfants étaient bleus! Parce que ça, c'est une de nos activités de famille, ça. On passe sa main à notre tour, puis on joue à Spot la Guedaille. Après, on va manger un sundae. Bon. Pourquoi cette absence de filles de joie et de madame qui acceptent des sous en échange de S-E-X-E? Oui, de XES dans notre belle ville? C'est que la coalition des travailleuses et travailleurs du XES tenait leur soirée Red Light. Ça, c'est une soirée bénéfice organisée afin de sensibiliser la population aux conditions misérables de travail des Suzy pattes en l'air et des Pépito brutes péteux. Oui! J'ai bien dit Pépito! La soirée a débuté par un chant guerrier. Pip, 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 que désirez-vous? Pim, 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 de meilleures conditions de travail et une heure de lunch. Mm-hmm. Oui! Fun, hein? Et c'est terminé, croyez-le ou non, par une partie de Spot la Guedaille où tout le monde a gagné. Soit. Allons avec une petite brève maintenant avant d'aller à la pause. Eh bien, deux nouvelles ont attiré notre attention aujourd'hui. D'abord, évidemment, comme vient de dire Paul, l'épisode de ce soir de 4,5, où Isabelle apprendra qu'elle attend un enfant et où le personnage interprété par M. Serge Postigo, qui s'appelle, je crois, supposito, chose mitaine, sac son camp ce soir. L'autre nouvelle concerne la vie passionnée d'un médecin canadien, le Dr. Michael Leavitt, qui a consacré sa vie à étudier les flatulences humaines, croyez-le ou non, et, ou si vous préférez, les gaz intestinaux, alors même, je crois, jusqu'à rapporter du travail à la maison. Déchiré entre ces deux sujets du plus grand intérêt, nous n'avons pu choisir et avons donc joint les deux nouvelles. Préparez-vous à un grand moment de télévision. Voici donc un épisode du téléroman Pet et demi. Tu veux te dire qu'on l'audace? Oh, tu veux te dire au calme? Ah, y'a rien comme de la musique classique pour se détendre en que temps des taux de pète de moufette. Ah. Salut, Gab. T'as cassé? C'est rien, ça peut ça? Que j'ai, je travaille dans une boutique top designer, je suis super belle. Mais j'ai de la misère avec mes gars. Oh non, oh, y'a personne qui m'arnaque. Oh, vous ne me laissez pas, je suis tout calme, hein. Oh, je pense que je sais de caisser le problème des troupettes. Eh ouais, regarde. Oh. Tu avais avalé un coussin de pète. Ok, faut que je te dise, Gab, ok? C'est un collier d'Hawaïenne, ok? Puis là, moi, je m'en vais dans l'Ouest. Parce que elle, là, quand t'as pète, elle adore. Oh, 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 du Dieu! Oh, mon Dieu! Peut-être que je suis enceinte. Oh. 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 Oui. Oh non, j'ai pleuré pour rien. C'est quelqu'un qui avait caché un coussin à pète. Ah.